Une récente tempête géomagnétique quand même assez forte, de force G3 sur une échelle de 5, donnera des conditions propices à voir des aurores. On parle d'un indice KP de 7 et ça, c'est en termes de visibilité, là, la ligne jaune ici là, pour la limite sud. Donc, tout l'Ontario, le Québec, les Maritimes seraient en position là, de voir les aurores si les conditions le permettent. En termes de pic d'intensité, c'est entre 1h et 4h du matin, donc quand même assez tard au milieu de la nuit, mais quand même en fin de soirée, on aura l'indice là, qui augmente un peu. Le X, c'est qu'on aura beaucoup de nuages au Québec et en Ontario. On parle quand même d'un ciel généralement nuageux. Juste avant l'ennuagement, l'Estrie, la Beauce pourrait quand même voir des conditions là, propices à voir les aurores tard ce soir. Par contre, sinon, c'est le nord-ouest de la province et l'extrême-est de la province qui pourrait avoir un ciel dégagé à variable pour voir ces aurores-là.